on voulait te demander quand même, t'en penses quoi? Ça va pour... Ça va et toi? Super, nickel, ça va? Ouais. Voilà. Là du coup c'est qui conduit? Moi. C'est toi? Patron. Ok. Ça se voit, j'ai pas renversé de panneau encore. Oh, putain. C'est marrant, y'a pas de panneau là. Il pourra peut-être pas sortir alors tu sauras que c'est lui. Oh, ça tire à balles réelles. Hein. Ah ouais, et là, c'est pas à blanc là. Alors, petite modif du camion. Ah. On a mis le GPS sur le pare-brise pour Miss parce qu'elle était perturbée. Ah ben voilà. Et on a mis les plaques Fox et Miss. Comment, nice. On sait pas comment on s'appelle. Et ben voilà. Voilà, c'est pour pas oublier, vous avez bien raison. Bah moi, du coup, j'ai aussi modifié mon camion pendant que j'ai eu malheureusement mon accident. Voilà, bah là du coup je sélectionne la mission, vous allez voir ce que c'est, et du coup tu pourras faire la même manip que tout à l'heure, à savoir paramètres là du convoi, tu sais. Voilà, donc là on va reprendre le bateau pour aller à Gnia comme avant. Alors bah, je vais mettre directement un point au ferry. On va prendre l'autre ferry en dessous de Gnanx, c'est vraiment le truc pas rentable hein, normalement. Je vois pas Gnia. Mais Gnia. Là je suis au ferry. T'es au ferry de... Lequel? Et le ferry carrément en dessous de Karlskrona. Voilà, Karlskrona. Donc là, tu traverses l'eau en bas à droite et tu vas à Gnia. Ah oui, tout à fait, ok. Et on remonte pour aller au ferry de Ninasham. Toujours kawaii ne. Arigato, Roman, arigato. Non mais Fox, il est toujours... mais c'est pas grave. Dis-moi. Non mais à chaque fois, j'ai l'impression que tu me suis bien et... Que nenni. Parce que j'avais deux voitures qui sont passées entre toi et moi, et là il y a un camion, mais c'est bon, il tourne. C'est vrai que ça ralentit vachement les voitures quand t'as qu'une voiture devant. Ben oui. C'est plus, on ne sait jamais si elle passe ou pas. On va essayer de le rattraper. Ouais, mais c'est ce qu'on se disait, parce que tu vois, tout à l'heure on se disait, on était vachement loin de toi, et là ce qu'on va essayer, c'est de te suivre. Ok. Ah, un tour de rond-point. Eh oui. Les tours de rond-point, ça fait du bien. C'est dans la vraie vie, lui, les tours de rond-point. Ah ouais, même avec un GPS, Waze et tout le bazar. Waze. Bah déjà, si tu prononces Waze, Waze, ça veut déjà tout dire. Ouais, Waze. C'est vrai, t'as bien fait de me reprendre, oui, c'est vrai. Ça, c'est bizarre, j'ai une voiture derrière moi. Oui, et puis après, on en est juste après. Mais, okay. c'est ça qui est fou, parce que j'ai l'impression de rouler super vite. Et puis en fait, pas si vite que ça, parce qu'il y a des fois on n'arrive même pas à te rattraper. Bah tu vois, c'est ça les impressions de vitesse, c'est avec l'âge hein, finalement. Oh non, pas ça. La dernière fois on est parti à Bordeaux, mais pour le PC, t'es pour aller chercher le PC. Ok, ouais. Là, autour de Bordeaux, t'as un périph qui fait tout le tour de Bordeaux. Et en ce moment, il y a des travaux, c'est tout bouché, c'est impressionnant. Normalement, on mettrait, allez... En gros, une heure pour y aller et revenir. Mais okay. Là, c'est la dernière fois, on a mis presque 3h30 pour faire l'aller-retour. Et parce que la rocade était bouchée. On a mis Oise. Ouais. Et il nous a fait, pour éviter la rocade, et il nous a fait traverser Bordeaux. Mais laisse tomber. Allez, ah oui, d'accord. Laisse tomber. Et alors que la première fois qu'on y a été, quand on avait amené le PC, il nous avait fait passer bien correctement. Par la rocade normale. Par la rocade normale, même si elle était bouchée, mais enfin. Mais en fait, et en plus, je comprends pas si vous utilisez Waze. En vrai, c'est bien Waze. Après, ouais, bah oui. Parce que en fait, Google Maps et Waze, c'est la même chose. Moi, j'utilise Google Maps et Google Maps, il s'adapte au trafic. Mais en vrai, Google Maps et Waze, c'est la même entreprise. Ah, d'accord. C'est pour ça. Donc dans tous les cas c'est bizarre en fait, normalement ça devrait vous mettre en fonction de la circulation, donc je sais pas. Ah ça nous a mis oui, éviter les travaux. Ah mais éviter les travaux machin, mais on est tombé en pleine dedans quoi, dans Bordeaux. Bah alors si ça se trouve, alors soyez contents parce que si ça se trouve, vous avez évité de faire 6 heures. Mais écoute, on va se dire ça parce que... Bah oui. Mais franchement c'est... Et à chaque fois pour ça, on n'a pas de bol. Avec, il nous a sauvé des fois quand même. Bon, il nous a sauvé, oui, mais c'est vrai qu'il y a des fois... Bon. Ah, il est gentil, Oise. Une fois, on était, je sais plus où, vers Agen, là. On roulait, on était sûr de nous, mais il y avait un moment qu'on roulait. Et le truc, il nous dit, faites demi-tour. N'arrêtez pas, ouais. Ah ouais. Mais non, mais ça, c'est parce que vous êtes parti sur la route Agen. Fallait manger. Ah, bien. Là, en fait, on cherchait l'autoroute, mais quand par là-bas, il n'y avait pas d'autoroute. Ah. En fait, nous on était fixé qu'il fallait qu'on trouve une autoroute parce qu'on est spécialiste d'autoroute. Ouais, j'ai bien compris. Et la rocade hein.
Ouais, la rocade, voilà. Parce que dans le jeu, on prend jamais l'autoroute parce que j'aime pas ça, mais dans la vie réelle, c'est vrai qu'on prend souvent. Bah oui, c'est pas pareil, c'est sûr. Enfin bon, voilà, une petite parenthèse. Bon bah c'est nickel. Ben impeccable. Désolé messieurs dames hein, pour le trafic. C'est-à-dire que là, on a mis nos camions en plein milieu et on est descendu des camions pour faire des photos. Exactement. Ah ouais, mais toi tu prends une vitesse mais de ouf. Ah ouais. Bah ça ouais. C'est mes motos, c'est parce que les motos derrière elles aucun rapport. Voilà, j'attendais la chute, j'essayais de mijoter dans son truc. Exact. Mais par contre c'est très beau là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Ah oui, regarde d'un côté là, sur le côté, ouais. Enfin, c'est bien mignon. Il y a des fois je suis obligé d'aller au-dessus de 100 pour te rattraper. Ah ouais ? Largement même. Ouais, largement. Mais normalement t'es bloqué à 90. Ah non, non. Bon, j'ai mis dans les paramètres que tout le monde est bloqué à 90. Ah bah. Oh, il y avait un chat là aussi. Ah oui, c'est ça. Regarde ça, s'il fait ça bien avec les warnings et tout. Eh oui. Eh oui. Et sans coucher la remorque. La remorque. Attends. Il est en train de se foutre de ma gueule là. Ça, faut savoir les amis que Fox il a tendance à se foutre de ma gueule ces derniers temps. Parce que ça fait deux jours qu'on essaye de faire ce qu'on voit. Et à chaque fois que je mets des... Parce que des fois pour pas oublier je mets des mémo notes pour pas oublier dans notre message privé Discord. Et il se fout de ma gueule quand je fais ça. C'est pas gentil. À toi de jouer. Ça va, t'arrives à passer ? Ouais. Ah oui, t'en as rien à foutre de la remorque, putain ma pauvre remorque. Pourquoi j'ai touché ? Non. Non mais t'as bien plié quoi. Allez, bienvenue en Pologne, hein. On va manger des pâtes polonaises. D'accord. Ça m'a étonné que d'ailleurs tu prennes un Ford. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Je ne saurais dire pourquoi. J'adore. L'affirmation, mais sans trop affirmer quoi. Le gars qui se mouille pas quoi. Mais non, mais parce que en fait, quand je faisais des lives, quand j'ai commencé cette carrière, j'avais acheté mon premier camion, je crois que c'était un je sais plus quoi, voilà. Chaque fois, tout le monde me disait, ouais, mais pourquoi tu t'achètes pas des camions modés, machin. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais fait, parce que les mods, c'était toujours des voitures pour rigoler ou des trucs comme ça. La prochaine fois, n'hésite pas à freiner un peu plus fort, comme ça, je suis sûr de te rentrer dedans. Oui, mais regarde. Ouais, j'avoue, lui. Le camion. Aïe, 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 aïe. Et ça frotte. Mais moi j'ai rien touché. Voilà. Non, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Je disais j'ai jamais fait de camion modé de manière sérieuse. Et du coup j'ai regardé sur le workshop et je trouvais pas mon bonheur. Et ça m'intéresse pas de prendre un Scania modé ou un Renault modé. Je veux dire les camions ils sont très bien. Du coup je me suis dit voilà je vais prendre une autre marque. Il faut aller à gauche hein frérot. Faut vraiment aller à gauche. Ce camion que tu utilises, moi je l'ai utilisé lors de mes vidéos sur, allez, on va dire 5-6 vidéos. Ce mode là, c'est un mode d'un modeur, enfin d'une équipe de modeurs turcs, avec qui, juste avant qu'ils sortent, mais j'avais pris contact avec eux, ils m'avaient généreusement dit oui pour l'utiliser. Trop bien. Je l'avais utilisé quelque part en avant-première, alors je sais pas si j'avais été le premier, mais ça peu importe. Mmh. Et j'avais fait même une intro à leur truc avec une espèce de bruit de camion et tout. Et je l'ai utilisé beaucoup de fois. Stylé. Mais il existe dans le workshop toute gauche. Une série de... toute une série de d'accessoires à mettre et tout, de petits add-ons, DLC si on n'importe. Ok d'accord, je verrai. Cette équipe de modeurs qui travaille toujours sur le Ford, qui depuis très longtemps maintenant, on va dire, allez, je crois que la vidéo, la première vidéo que j'ai fait dessus, c'est la date de 3-4 ans. Hein. Ok, ah oui. Il est très très ami et ils font beaucoup de live avec Seals, celui qui fait 6 mégapacks. Ah d'accord, ok. C'est Turk Sim, un truc comme ça. Et okay. Ils font live sur leur chaîne Twitch de... D'accord, avec, ok. Ah où là? Tu vais où? Bah tu suis la route, hein. Ça va bien se passer. Okay. D'ailleurs on dit Sizzle ou Sizzle alors? C'est en fin de compte, des fois dans leur live que j'ai pu écouter, même si je comprenais pas tout, bon, même s'ils font en anglais, c'est Seals. Seals. Ah Seals, ok. Parce moi, que, ok. À la fin. Bah ouais.
Seals, ok. Ouais, moi je disais Sizzles. Oui, mais après ça c'est plus côté anglais. Bah je suis un petit peu anglophone quoi, tu vois, you know what I mean. Okay, what the fuck man, non The bitch, do you speak martien, c'est ça? Yeah, of course. Alors là je te propose d'aller tout droit, même s'il faut aller à droite. Mais on va aller tout droit parce que j'ai envie de faire le tour des points d'interrogation. Ah, pas de soucis. Et puis parce que l'essence c'est pas trop cher de nos jours, donc... Oh, putain, t'as une accélération d'enfer, on se demande comment ça se fait. Ah ouais, t'as vu ça? Tu dois avoir une moto en moins, je pense. Ah mince, faut peut-être aller à gauche, Fox. Parce que là, tout droit, ça va nulle part, regarde ton GPS. Mais on n'a plus de GPS. Bah oui. Normalement, on a qu'un guide. Ah oui, non mais d'accord, vous avez pas du tout de GPS tout court. Mais si, on l'a. Bah vous voyez bien que vous êtes pas sur une route, là. Ah non, oui. Maintenant, oui. Oui, okay. C'est réglé, regarde. Oui. Ah oui. Donc, comment il a fait ça? Ah, mais ça, c'est la magie. Eh ben, c'est parti, ouais. Donc, Miss, hein, quand tu veux. Mais c'est... il dit pas toujours la route, alors. Si, si, je vais dire. Tu m'as pris pour qui? M. Colo. Faudra prendre à gauche, là. L'autre gauche. L'autre gauche. À droite. On commence pas comme ça, parce que je vais t'appeler Fox. Je vais t'appeler Waze. Je pourrais avoir Waze. Un rétro lisible pour t'appeler. Ah, tu veux ton rétro. Okay. Pas de GPS, pas de rétro, pas de volant. Ouais, la rue, moi. Droite, gauche. Droite, pardon, oui. Tu peux aller quatre droite, de toute façon, regarde. C'est vrai? Oui. Vas-y, vas-y, il te laisse passer. Merci de me laisser passer, on est ensemble. On est ensemble. Mais tu vois bien qu'on a la même remorque, trou de barre. Tu peux rouler, tu peux y aller. Je suis à fond. D'accord. Tu l'entends, il passe les vitesses. Tu peux employer un ton moins agressif quand tu... Je suis pas agressive. Il y a un croisement là, tout droit. Ouais. Ouais, alors si je dis rien, c'est toujours tout droit. Tel un vrai moniteur... Si on doit tourner, faut me le dire un petit peu à l'avance. Ah oui, bah, bien sûr. Bien sûr, à droite là. C'est joli là, les roches. Oui. Oh, c'est beau. Je voulais que tu voyais. Ah oui, d'accord. Attends, alors, Miss, elle veut qu'on fasse un plan. Comme ça, là, je suis bien, là. Si je roule comme ça, ça me gêne pas, là. De toute façon, il y a personne, alors... Je vais pas tout casser. Il y a personne. Il y a personne. Vous voyez pas la voiture dans votre rétro, là? Elle a pas vu. T'as pas vu la voiture bleue? Ah non? Mais toi non plus, Fox, enfin, t'as dit y a personne. Mais suis. C'était pour qu'elle continue. Bah ouais. Normalement, on roulait pas sur les autoroutes, donc là, c'est pas des autoroutes, c'est bien des rocades. Oh non, on va pas repartir sur ce débat. Et les panneaux sont verts là aussi. Hein. C'est, non, c'est pour ça ce que j'ai dit. Ça se trouve, on passe par des. Oui, mais c'est peut-être que par rapport au trajet, on est. Ah oui, peut-être. Mais là, on n'a pas le choix. D'accord. Non, voilà. Après, c'est des petites routes quand même. Non, mais c'est parce qu'au cas où on serait trompé. Ah oui, non. T'inquiète pas, moi je me trompe jamais. Moi je suis Oise. Hein. Oh. Ah, t'as vu, il a dit Oise aussi. Bah. Donc, si je dis Oise. Mais c'était pour me moquer. Bon, hop là, la voiture. Paf, tac. Vous aussi, ça se coupe. Ah, gavé. Oui. Ouais, ça me donne envie de faire pipi. Tu veux le doubler? Non. À qui? Ben, le gars là. Ben, je double. Mais c'est un stop. Ben oui. T'as vu comment il est passé lui? C'est pas un stop alors? Je pense pas que c'est. Ben, si, une ligne blanche, normalement c'est un stop. Hein. Ça va, vous, personne n'a remarqué que je vous ai rentré dedans? Ah non, on a, ah rien, non, on a rien vu. Rien eu. Magnifique. Rien eu du tout. Bah ben, voilà. C'est bien ce que je dis, vous avez vraiment moins de motos dans la cargaison, je pense. Alors là, il faudra prendre à gauche. Hein. D'accord. Voilà. Bah après tu pouvais rester à l'extérieur parce que les camions ils restent à l'extérieur normalement. Voilà, c'est le petit. Ah. Oui, non mais. Je vous apprends des choses peut-être, je sais pas. On me l'a déjà dit en plus. Ah bah, voilà. Si, ça a été un débat sur nos vidéos ça. Bah après ce qui est chiant et c'est que sur ETS, l'intelligence artificielle, elle s'en bat les steaks. Hein. Ouais. Même si en soi du coup ça rajoute un comportement on va dire réaliste parce que des fois quand tu vois comment les gens roulent. Tu parles pour qui là? Mais non, mais quoi? Mais non, mais je parle dans la vraie vie de... Mais je parle pas de vous. Droite. Gauche. Droite. Droite. Gauche. C'est pas gentil, faire un mauvais coup. Eh, vous avez vu, elle est belle la cathédrale, j'ai envie de faire un screen. La cathédrale là. Vous la voyez pas la cathédrale? Et... château d'eau moi. Non. Vous voyez le château d'eau? Oui. Bon, vous voyez la cathédrale? Oui. Ah voilà? Oui. Non, mais on l'avait pas vu. Attends, on va faire un petit screen. D'accord. Non, mais oh mince!
Il aurait fallu. Ben, dès que le feu repasse au vert, moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse le même coup qu'avant. Ah oui, 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 exact. Ah pardon, c'est à droite là. Et, oh, pardon, hop là. J'ai loupé l'entrée. Ouais. Ah mais je fais un demi-tour. Fais demi-tour, ouais, l'autre. Il y a ici là. Oui, 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 oui. Ah, mais je peux pas rentrer par là. Ah mais si, si. Regarde, tu vas avoir une. Ah une bah si là. Tu peux rentrer là-bas, parfait. Là. Tu prends assez large. Impec. J'aurais fait toi demi-tour au carrefour, ça aurait été aussi facile. Non, parce que si tu prends le feu, il va falloir attendre. Nous on est parti à l'hôtel. Bah ça marche. Je vous rejoindrai s'il y a une piscine. Il y a une terrasse déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. T'es devant ou derrière le dépôt? Je suis au fond. Allez. Là-bas alors. Ouais, ouais, donc derrière. Ah tu veux que je te dise. Je vais te raconter un truc. Tu vois là je viens de lui dire. Devant ou derrière? C'est devant ou derrière? Et il me dit je suis au fond. Attention. Ouais. Donc ça veut dire derrière. Mais tu sais pas quoi? Non. Quand on a placé les modes. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, t'as dit devant ou... Je lui ai dit non, tu le mets en dernier. Et il m'a répondu en haut ou en bas. Non mais frère, ah, mais... Non mais attends, hey, Fox, c'est pas vrai. Quoi? Non, c'est pas vrai parce qu'en fait... Dis, vas-y, explique-toi. Quand tu m'as dit que tu mets en dernier... Oui. Ça sous-entendait que c'était le dernier mode que tu mettais. Donc chronologiquement, le dernier mode, il est tout en haut. En bas. Non mais j'explique. Oui, c'est vrai. C'est une bonne, très très bonne. Oui. Quand tu le mets, oui. Il se met en haut. Quand ouais, exactement. L'affiche. C'est ça. Et moi, je suis habitué parce que c'est tout le temps comme ça avec. Ah ça y est, maintenant c'est bah, du coup j'aurais dû rien dire parce qu'en plus ça va être de ma faute. Non, pas du tout. Ah bon. Mais il a une bonne explication. Ah, ça, ça fait plaisir. Les modes dans ETS2, quand tu les mets, ben, ils apparaissent direct en haut. Et voilà. Moi, je l'ai pris dans le sens où, comme je lui avais dit en dernier, et comme il m'a dit, mais du coup, en haut ou en bas? Et mais moi, j'ai dit en bas, mais j'ai dit, le monsieur t'a dit en dernier, donc en bas. Mais. Pas... Ah non, mais je fais rien. Allez, Miss, fais la manœuvre. Tu te gardes. Pourquoi tu mais fais j'ai pas de livraison. Mais si t'as les motos. T'en as peut-être deux de moins, mais. Le reste, quoi. Voilà. Nous, on va dire c'est des motos volées, alors.